Je m'appelle Danny Forster, donc je suis étudiant en droit de la santé et je viens aujourd'hui pour vraiment faire une prévention sur le port obligatoire du masque parce que malheureusement il y a une baisse de vigilance, on constate de la part des sudistes et donc c'est vraiment important pour moi que les gens portent le masque, même à l'extérieur, surtout sur le marché nocturne parce que la distance sociale ne peut pas être respectée. Et au-delà, bien sûr, il faut bien aussi respecter les gestes barrières et aussi se laver très régulièrement les mains. Les gens ont tendance à oublier, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec toute l'équipe. Céline qui est animatrice en maison de retraite. Il y a Nanou qui est bénévole, qui a fabriqué des masques durant la crise sanitaire. Il y a également Sophie, qui est élue adjointe à la solidarité de la Seine-sur-Mer. Et nous avons des étudiants infirmiers, récemment d'ailleurs diplômés, Margot et Loïc, que je tiens d'ailleurs à remercier d'être présents aujourd'hui à mes côtés.